De nouvelles reprises de dressage font leur apparition en 2017. Cela s'apparente à une petite révolution dans le monde des dresseurs de la LEWB. Une nécessité selon ceux qui ont contribué à la mise en place de ces nouveautés, d'autant qu'une telle refonte des reprises n'avait plus eu lieu depuis de nombreuses années. On a changé les reprises pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on essaye malgré tout de tenir une certaine uniformité en Belgique, malgré l'existence de deux ligues. À la VLP, ils avaient bien décidé de changer les reprises après un délai relativement long. Donc nous en avons fait de même pour prendre les décisions en même temps. Et la deuxième raison, c'est que les cavaliers LEWB inclus trouvaient qu'après un délai de 8 à 10 ans, on pouvait changer les reprises de façon à éviter de tomber dans une certaine routine et de trouver les concours un peu plus agréables. Il était temps qu'il y avait un nouveau souffle dans les reprises et également, je crois que les nouvelles reprises sont un peu plus adaptées à ce qu'on veut voir. Et les reprises sont construites d'une façon qu'il y a une suite logique de la plus petite à la plus élevée pour qu'ils aient la paire cavalier-cheval de progresser. Vu l'ampleur des changements, une réunion d'information organisée par la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles était nécessaire pour que juges, coachs et entraîneurs, mais aussi parfois cavaliers même, se voient expliquer en détail en quoi consiste concrètement les changements. Mais cette réunion était également nécessaire pour que toutes les questions qui tournent autour de ces changements puissent être posées. J'ai trouvé l'assistance très intéressée. De bonnes questions ont été posées. Et ce qui était intéressant dans le cadre de cette réunion-ci, c'est que nous avions un contact aussi bien avec des collègues juges qu'avec des cavaliers de dressage participant aux compétitions et certains entraîneurs. Et c'est ce qu'il y a trop peu, pas uniquement à mon goût, au goût de tous, je pense. Donc le fait d'avoir organisé ce type de réunion aujourd'hui, ponctuellement, était une bonne chose et ça devrait se renouveler aussi souvent que possible. Les cavaliers se demandent un peu comment ça va fonctionner. Ils ont tout de suite examiné les difficultés, vu les difficultés. Ils se sont posé les bonnes questions, à savoir où dois-je faire ce mouvement, comment, avec quelle ampleur, etc. Et donc, il y a eu finalement un très bon dialogue entre les juges, entre les entraîneurs, les coachs, et les cavaliers, donc c'est une bonne chose. Je trouve que ça fait une très belle émulation. Mais concrètement, en quoi consistent ces nouvelles reprises? On a mis une épaule en dedans, dans un niveau inférieur, et on a fait les transitions, elles viennent un peu plus vite. Et on a, je crois que là, c'était la grande révélation, qu'au niveau 3, on fait la demi-volte en tenant les hanches. La répartition du degré de difficulté de chaque reprise a été déterminée en fonction de l'échelle d'entraînement des chevaux. Et il est évident que le degré de difficulté va crescendo depuis le niveau initiation jusqu'au niveau 3. Donc, pour être un peu plus concret, au niveau initiation, on a demandé l'exécution aux trois allures de grands cercles de 20 mètres. Au niveau des transitions, on demande d'exécuter les transitions au milieu d'un petit côté. Donc ce sont des reprises qui sont beaucoup plus souples, destinées soit à des jeunes chevaux de dressage, soit à un couple qui n'est pas encore très expérimenté et dont le degré de dressage du cheval n'a pas encore atteint un certain niveau. Qu'il n'avance pas recul, ces modifications étaient une nécessité pour s'aligner sur les grandes nations du dressage comme l'Allemagne, l'Angleterre ou les Pays-Bas, et elles n'ont pas été faites au hasard. Je crois que c'était nécessaire. Justement parce qu'il faut que ça bouge, il faut qu'on reste à la hauteur dans les pays qui sont les leaders dans le dressage.
les petits niveaux sont ce qu'on voit maintenant chez nous. Si on fait du sport, ça ne suffit plus de rester pataugé, toujours dans la même mare. Je crois qu'il y aura moins de difficultés qu'on le croit. C'est absolument abordable. Et surtout que dans le système d'entraînement, qu'il y a la suite logique des idées. Donc, même le cheval va suivre. J'ai eu l'occasion justement hier de participer à un concours intime et de pouvoir juger ces nouvelles reprises. Et je dois dire qu'elles sont vraiment très agréables parce qu'on voit vraiment bien l'évolution qui est demandée au cheval à partir des plus petits niveaux jusqu'au plus haut niveau. Elle souligne les choses essentielles que l'on veut voir chez le cheval, à savoir la souplesse du cheval. Et donc, c'est vraiment une belle chose que cette modification, en fait. Ces nouveautés demanderont un temps d'adaptation au cavalier, temps qui devrait toutefois être relativement court s'il suit la logique des reprises basée sur la progression, elle aussi logique, du cheval. Les exercices sont différents, mais ils vont mieux préparer le cavalier aux épreuves plus hautes. Et puis de toute façon, les épreuves ici ont été créées justement pour peut-être travailler plus la base. Et quand la base est bonne, bien, il y a plus de progression ensuite. Pour vous aider à comprendre de façon claire ces nouvelles reprises, la LEWB a réalisé un document explicatif avec tous les changements, ainsi qu'une vidéo qui les illustre de façon claire. Vous pouvez télécharger ce document ainsi que retrouver la vidéo explicative sur le site de la LEWB. Equitv vous a été présenté en partenariat avec Horseware.